Salut les amis d'Abrique, j'espère que vous allez bien. En tout cas pour moi, ça va très bien en ce 16 décembre et j'ai hâte de voir ce qui se cache derrière le volet numéro 16. Allez, c'est parti. Et les amis, là on se retrouve sur le numéro 16 et là, ils ont créé carrément un jeu, on peut jouer, je pense. Hein. Vous allez voir. Un morpion, du coup on peut réellement jouer avec. Mais en petit, hein, on peut pas réellement jouer. Et là pareil, bon bah je vous le dis tout de suite, hein. J'adopte. Je le mets dans mon Winter Village, bien sûr. Comme d'habitude, ça commence à devenir nul d'ailleurs. C'était une blague. Parce que voilà, alors on empile des jetons. Voilà, voilà. Des rouges et des verts. Je vois pas l'intérêt. Autant en Noël que autre chose, je sais pas. Je comprends pas trop. Voilà, ça par contre, là, je vois pas ce qu'il fait là. Je préfère limite le numéro de hier avec le genre d'épouvantail que celui-là. Que là, là, pour le coup, Il me sert vraiment à rien, mais bon, bah je vais... Il partira en vrac, ça fera des pièces, ça fera une barrière, voilà. Ce qu'on a pour le numéro 16. Nous voilà au numéro 16 du calendrier Star Wars, bien sûr. Avec une construction, la première, je crois, où on se retrouve là avec un élément un peu de décor. On a déjà une arme qui lance les ondes. Du coup, c'est un élément de décor, on va le construire tout de suite. Alors ça c'est pareil, on aime ou on n'aime pas, moi je suis pas fan, ça sert pas à grand chose, c'est juste quelques pièces fixées ensemble qui n'ont pas de gros intérêt en soi. Voilà. Donc on dirait un morceau de grotte, un morceau de... je sais pas trop ce que ça représente exactement, mais c'est comme d'habitude, c'est des morceaux mis ensemble juste pour faire un stand, de mettre les armes, vous voyez là on peut, voilà, on peut mettre l'arme dedans. Je pense que c'est sur l'étoile noire, certainement, parce que voilà, je pense qu'ils ont essayé. Et je pense que, ceci est un droïde souris qu'on voit sur l'étoile noire. Et du coup, là, on a de quoi ranger les munitions. Voilà, après, on n'aime pas. Je sais pas trop quoi penser de ce genre de truc. Et là, on a bien sûr le trou pour le droïde souris pour qu'il puisse sortir. Voilà. Alors, après, vraiment. Comme j'ai dit, on aime ou on n'aime pas. Moi, je suis pas fan. Je trouve ça inutile. C'est quelque chose qui va finir en vrac. À part l'arme, bien sûr. Bon, l'arme, elle est là. Le petit droïde souris, voilà. Bon, bah, c'est mignon, mais ça va se transformer en vrac. Il y en a bien sûr d'autres dans ce numéro. Pareil, c'est un tout petit peu plus travaillé que d'habitude. Mais ça reste un truc un peu inutile. Les amis, finalement, j'ai changé d'avis. J'avais pas hâte d'être le 16. Je me suis trompé. J'ai hâte d'être demain le 17. Parce que oui, là, dans ce numéro, ouais. Déjà, côté City, on se retrouve avec un morpion. Du coup, on peut réellement jouer avec. C'est sympa, mais voilà, ça s'arrête là. Ça part en vrac. Côté Star Wars, ils ont fait l'effort avec un petit droïde souris qui sort de son petit trou que vous voyez à côté. Et une arme qui lance des projectiles et une genre de fenêtre. Ou je sais pas, on sait pas trop ce que c'est. Bon, à part l'arme... Le reste, ça part en vrac. Donc, derrière ces volets numéro 16, eh ben, c'est que du vrac pour ma part. Voilà, j'ai pas grand-chose de plus à dire. Ben, vous pouvez vous me dire, par contre, dans les commentaires, ce que vous pensez de tout ça, de ce qu'on a découvert derrière ce volet numéro 16. Et en tout cas, pour ma part, j'ai hâte d'être demain pour découvrir ce qu'il y a derrière le volet numéro 17. Et sur ce, comme d'habitude, si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à liker, partager, commenter, et de vous abonner si c'est pas déjà fait. Et du coup, ben, je vous dis... À demain les amis, ciao ciao !